Bonjour, nouvelle édition de notre JT de l'emploi, ravie de te retrouver. Tu cherches donc un emploi, reste bien connecté, cette édition est pour toi. Donc en événement, cette semaine, donc le forum d'Entraigues qui aura lieu le 3 avril à la salle des fêtes d'Entraigues de 9h à 13h. Donc 50 postes sont proposés par les entreprises locales dans les secteurs du BTP, dans les secteurs de la restauration et de l'industrie. Il y aura également la présence de centres de formation. Donc tu prends ton CV, tu te présentes au recruteur pour te donner un maximum de chances. Les mardis, ça recrute toujours à la mission locale. Et donc, le 9 avril, Dalkia, une filiale d'EDF, donc sera présente dans nos locaux à 9h pour une nouvelle campagne de recrutement de techniciens en génie climatique, donc en alternance. Alors, l'alternance va varier entre 12 et 24 mois selon le diplôme qui sera préparé. Il s'agit de faire des dépannages d'installations énergétiques de grosse et moyenne puissance. Tu as un profil bac pro, technique, ou un BEP ou un CAP électrotech, des connaissances en électricité, n'hésite pas à venir. Alors, en ce qui concerne nos offres mission intérim, nous recherchons des techniciens en fibre optique, donc pour des missions de longue durée. Pour ces missions-là, les débutants sont acceptés, donc tu peux tenter ta chance. Nous recherchons aussi dans ce cadre-là une assistante RH pour une agence d'intérim qui se situe à Château-Renard. Alors, les nouveautés CDD, CDI à la mission locale. Donc, bon, nouveautés moyennement, mais bon, nous recherchons des auxiliaires de vie, permis véhicule souhaité pour ce type de travail. Donc, diplôme ou expérience dans le domaine déjà, de l'aide à la personne, comme par exemple la DVF. Nous avons besoin également d'ASH, d'ASH dans le milieu hospitalier et aussi en EHPAD, en maison de retraite. Donc, vos candidatures sont vraiment les bienvenues. Des ASH, expérimentés de préférence avec une expérience. Nous recherchons aussi un animateur dans un tout autre domaine périscolaire pour une commune qui est proche d'Avignon, ainsi qu'un cuisinier avec le CAP cuisine exigé. Nous recherchons également des agents de sécurité de la voie publique et des agents d'espace vert. Voilà, une secrétaire commerciale et administrative pour un syndic. Donc, j'en viens au service civique, des offres de missions dans le domaine de la solidarité, de l'environnement espace vert et de la culture. Également, la banque alimentaire qui recherche un opérateur de saisie en logistique. Donc, voilà les news de cette semaine. Comme toujours, tu n'hésites pas à te rapprocher de la mission locale et de ton conseiller. Nous sommes là pour t'aider. Cette édition se termine. Je te souhaite une belle semaine et surtout, prends bien soin de toi.